commencer par une plante d'orborée ou botonnier en tête, puis une crédade de Au secours racisme, seguido par le Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, puis par le Parti communiste occitan, puis le Parti socialiste qui ne voulait pas d'en être des restes, puis le Ligue révolutionnaire, puis de Ségur Laurentel, Xavier, Courine et Maurice en tête. Puis le PLO et son grand blond dans yeux verts, puis l'amical dans Africains d'Occitanie, puis le frère musulman que Diagorada et Colibali seguiront le principe de prophète, puis dans anarchistes de la bandière nègre, puis le franc-maçon de la loge Eugène Lurey, la fédération de la Zobra Laïque et tout ce qui portait la valeur d'égalité, de fraternité et de laïcité. Ah ben, le libre qui est un libre des engagnaires, qui ne pouvait pas présenter parce qu'il n'est pas pour aigu, ne pouvait pas dire son titre parce qu'il n'est pas de le mal prononcé, on le va faire voir, hein, vas-y. Alors, comme je ne sais pas fort en langue slova, eh ben, là, il est écrit. Ben, l'auteur, qui est un auteur qui est encore sérieux, résolié, qui est quelqu'un qui fait rire et fait penser en même temps. Et ce qu'il fait de mal sérieux, ben, c'est que ce qui lui inspirait son pratique de médecine de campagne. Donc, il y a de la nouvelle qui est un plan nègre, mais aussi qui est un roman policier, qui est la cinquième aventure, enfin, enquête d'un grand commissaire, fameux commissaire, Alessandre d'Arnaud-Guilhemme, qui n'y a déjà eu 4 et 2, et quoi la nouvelle qui va y paraître. Le premier, la première enquête, qui est sur Netralu, qui se passe dans le mi-temps de la secte, et demain une secte qui avait un bloc ou aigu d'Autreco en Dourdougne. Après que le libre, il y a eu la Torna des Iraudous. Alors, qui est une enquête qui se base sur ce qui est demeuré de la résistance et de l'occupation. Après, il y a eu Vautre qui m'a vêtu, qui se passe, qui est une, bon, que l'intrigue est belle ou mal policière et mal médicale en même temps. Et après, l'année de passage, il y a eu Somi de Copogorza. Et qui est donc un roman qui parle d'immigration albanaise ou kosovare, qui soit qu'explique le nom de que le personnage donc tourne et montre son nom, hein, qui est une arlésienne kosovare. Arlésienne parce qu'elle n'a pas de rôle dans le livre finalement, un rôle complètement indirect. Alors il question de codes d'honneur albanais, il question de trafic d'organes, et boum. Et il question mais que mai de la fine équipe de d'Arnaud-Guilhemme, qui avait l'impression, nous autres en Périgord, que nous connaissons tout. Ou bien tout connaissez le modèle. Alors, faut dire tobe, que ce se passe dans un pays qui s'appelle le Nauta d'Urdugno, que l'udre n'est pas exactement l'udre français, et que la langue officielle est l'occitan. La capitale s'appelle Maraval, mais qui est curieux, nous autres avons l'impression de nous y permener souvent et de plus le connaître. Alors, nous qui ne sommes pas d'oki, bon, n'auront pas tout à la clau, mais qu'on ferait. C'est grand tout pour y aller, l'enquête, mais d'autres qui sont d'oki, qu'on nous fait plaisir de connaître toute la rue de Maraval et de connaître tout le monde, tous les inspecteurs finalement qui travaillent sous l'ordre de d'Arnaud-Guilhemme. Mais bon, là, il s'agit pour une raison simple, qu'il ne connaissait pas, parce qu'il venait de l'Ulési, de travailler dessus comme conseiller linguistique, et comme membre du comité de lecture, mais cool, bon, c'est tout, hein. Et perso que m'a plu amusa. Et bon, on aurait pu parler de tout plein d'autres, évidemment.